Tuteur. Tuteur. Manager. Parce qu'on manage de l'humain. Les deux. Parce qu'il faut pouvoir expliquer, passer du temps, et donc il faut faire des points réguliers. Et puis, quand il y a une question, il faut pouvoir la résoudre tout de suite. Les deux. On est en mode hybride, donc on fait du présentiel, une fois par mois systématiquement, et sinon en Teams régulièrement. Les deux. Parce que réunion Teams, on est très concentré, donc on est en télétravail, donc on va droit au but. Et de temps en temps, être au bureau, revoir les collègues, ça fait du bien. Teams. Mail. Parce que Teams, ça devient assez polluant. On est en réunion, donc il faut répondre aux Teams. On est au téléphone, il faut répondre aux Teams. Donc, un mail, on prend le temps de répondre à toutes les questions et à toutes les demandes. Mail pour les fournisseurs, Teams en interne. Alors, autonomie, je dirais, parce que par rapport au métier qu'on exerce, les alternants qui viennent à notre direction sont généralement au niveau Master 1, Master 2. Donc, à ce niveau, en fait, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, dès le départ, il faut leur donner l'autonomie pour que demain, dans la vie active, qu'ils soient autonomes et opérationnels. Autonomie. L'autonomie n'exclut pas le contrôle. Futur. C'est des alternants. C'est pour demain. Futur, se projeter. Improvisation. Préparation. Alors, préparation et un peu d'improvisation, ça fait pas de mal. Soft skill, parce que tes qualités humaines feront tes compétences. Polyvalence. Polyvalence. Parce que dans le métier qu'on exerce à la direction des risques, il faut être polyvalent, il faut pouvoir travailler sur tous les sujets et changer de casquette en permanence. Tenue détendue, on ne nous voit pas souvent aux achats.